Eh bien bonjour tout le monde, c'est Sifano et bienvenue dans ce 14e épisode d'Assassin's Creed Unity. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on doit retourner voir Elise qui normalement se trouve chez Mirabeau. Épisode qui est tourné à la suite quasiment du précédent, donc je n'ai pas encore eu vos retours, c'est important de le préciser. Pour des besoins pratiques, on va le dire comme ça. Et j'ai vérifié un truc par rapport, je vous ai dit une petite bêtise la dernière fois, enfin rien de très grave, mais Assassin's Creed 4 en fait on l'a fini en 29 vidéos, donc c'est plus proche de la trentaine que de la vingtaine quoi. Donc on verra celui-ci, je pense qu'il finira voilà entre les épisodes 20 et 30. Ouais. On verra ça tranquillement. Donc, séquence 7, mémoire 2, informez Mirabeau. Mirabeau doit être averti de la véritable nature de Germain. Rejoignez sa demeure et informez-le. Eh bien, c'est parti, puisque oui, dernière fois, on s'était aperçu que Germain... ok, d'accord, c'est à moi de jouer. Était en fait un vil traître qu'on doit... qu'on doit du coup pourchasser. Je sens mal le coup de parler comme ça, à monter. Je sens bien, genre, retrouver le cadavre de Mirabeau, non? Vous le sentez pas venir comme ça? Élise ? Monsieur Mirabeau ? Oula. Je la sens mal cette affaire. Je la sens très très mal. Élise ? Élise ? Mais qu'est-ce que... Je l'ai trouvé comme ça. Je ne l'ai pas. Bien sûr que non. Mais je dois l'annoncer au conseil sans tarder. Ils sauront ce qu'il faut faire. Non. Ils n'ont déjà aucune confiance en moi. Je suis la suspecte toute désignée. Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que nous allons faire? Découvrir ce qui s'est passé. Je me suis pas spoil, hein, mais ça sentait le gros truc, quoi. Genre, tu rentres et t'as pas de cinématique. Clairement, ça avait tout l'air de d'un truc suspect. Alors, examinez la scène de crime. 0 sur 3, on va examiner. Examiner. Un mouchoir. Un mouchoir de dame. Je vois. Donc la moitié des femmes de la noblesse de Paris sont suspectes. Peut-être qu'un domestique le reconnaîtra. Ou peut-être tout simplement qu'on l'a placé là pour faire croire que c'est elle. Et ouais, examiner la scène de crime toujours, on va examiner le reste. On dirait qu'il attendait un visiteur. Qui? Maître Kémar. Ok, du coup il faudra trouver ce fameux maître Kémar et du coup après il reste ça, examiner. Du poison. Montre-moi ça. De l'aconite. Difficile à détecter si l'on ne sait pas quoi chercher. Très prisé des Templiers, n'est-ce pas? De tous ceux qui cherchent à tuer sans se faire prendre. Mais oui. Ça m'a l'air suspect cette affaire. On dirait que tout a été fait pour qu'elle soit la coupable. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin. Du coup. Il reste la porte à examiner. Pas la moindre trace d'effraction. Donc le tueur était attendu. Un invité, peut-être. Ou un domestique. Bon, voilà. Examiner les trois trucs. Non, toujours pas tout examiné. Bon, il reste elle à qui discuter, mais sinon... En mobilier pur, je parle, on a tout examiné, je crois. Ah bah non, le lit, je suis bête, le lit évidemment. Autant pour moi. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arme qui a tué ton père. Un insigne de l'ordre des Templiers. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il nous met sur la piste. Ok. Oui, donc ça confirmerait que ce soit la même personne, probablement. Accusée. Parler à Maître Kémar. Il est plus en bas, le gars.
Et genre, je peux l'accuser si je veux. On va voir ce que ça fait. Maintenir pour accuser. De toute façon, attendez, non, mais moi je veux pas faire ça. Je veux parler. Non, mais je vais pas l'accuser elle, mais attendez, non, je fais pas ça moi. Moi je vais voir l'autre gars. Je sais pas ce que ça fait sur l'accuse, mais on va pas tenter. Elle est pas commode en plus, donc on va pas tenter de l'embêter. Puis on sait bien que c'est pas elle, enfin, du moins je pense pas. Alors, parler à Maître Kemar, tuer le messager sans être vu. J'ai été vu. J'ai été vu, ok. Parler à Maître Kemar, c'est là-bas, donc je suppose. On oublie Elise pour le moment. On laisse tranquille. C'est quoi ce coffre vert là-bas? Ah, c'est le coffre. Non, ok, c'est le coffre du café théâtre. Je crois. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Donc, parler. C'est en bas. Ah, mais du coup, ils vont peut-être l'accuser. Je sais pas, on va voir. Non, je pense pas. Faut retourner à l'intérieur. Qui ça pourrait être? Est-ce que c'est Germain? Est-ce que c'en est un autre encore? Question. Beaucoup de questions en suspens là. Beaucoup de questions en suspens. Alors, hop, parler à Maître Kemar, il est là-haut. Hey Arnaud. Ouais, Arnaud, salut. Vous savez pas ce que je vais vous annoncer, les gars. Hop. Suspense. Oula, what? Rendre assassin. Ok. Alors, suspense, attention. J'ai quelque chose à vous dire. Ah, Arnaud Dorian. Que puis-je faire pour toi? Mirabeau est mort. Mort? On l'a tué. Je savais que cette trêve se terminerait mal. Je vais devoir convoquer le reste du conseil pour régler Élise ça. Élise n'y est pour rien. Je réponds d'elle sur ma vie. Laissez-moi encore un peu de temps. Je trouverai le meurtrier. Très bien. Je te laisse jusqu'à demain matin. Pas plus. Mirabeau a été empoisonné à l'aconite. Du poison? Dois-je préciser que cette substance singulière est très prisée par les Templiers? C'est inutile. Où peut-on se procurer de l'aconite à un tel degré de concentration? N'importe quel docteur peut en prescrire la forme diluée. Je prends moi-même une teinture d'aconite pour mon cœur. Bien sûr, sa vente est réglementée. Mais je connais un apothicaire du Marais qui ne s'embarrasse pas de ces questions. Merci. Ok. On sait où aller, du coup. Il va falloir aller au Marais. Je crois. Voilà, c'est bon, c'est validé. Ok. Donc, parler à l'apothicaire. Ouais, ça a l'air d'être un truc un peu en mode enquête. Là, j'aime bien. Ça change un peu. Bonne journée, Arnaud. Ouais, merci. Le fanboy. Bonjour, Arnaud. Bonne journée, Arnaud. Salut, Arnaud. Comment tu vas, Arnaud? Ça va bien, Arnaud, aujourd'hui? Il fait beau, Arnaud, hein? Bon, allez, tais-toi. Un beau jour, nous on va passer, on va te filer une lame dans le cou, au moins tu ne nous embêteras plus. Non, j'exagère, on va quand même pas faire une chose pareille. Nous sommes pacifiques. Peut-être. Bon allez, temps de chargement, c'est bon, on doit pas sortir beaucoup là, on doit juste sortir de la grille. T'as pas besoin de faire un temps de chargement qui dure 100 ans, s'il te plaît. SVP. Ah, voilà, merci. Donc, parler à l'apothicaire. Très bien, on y go. Waouh, il a 280 mètres et vu qu'on est en mission, on va pas pouvoir se TP. C'est pas grave, 280 mètres, c'est jouable encore. C'est marrant en fait. Là, si je comprends bien, on aurait pu accuser Elise. Et qu'est-ce qui se serait passé si on avait accusé Elise? Est-ce qu'il se serait vraiment passé quelque chose? Ou est-ce que ça aurait été juste un feu de paille et on aurait eu une conversation pendant 2 secondes et puis après on aurait quand même fait ça? Ou est-ce que la mission se serait passée autrement? Ça, c'est une vraie question. Mais je pourrais pas prendre le risque de l'accuser, moi je l'aime bien. Hop, allez hop. Je suis en mode réflexion là, je parle pas beaucoup, je suis en mode réflexion de me dire mais... Ça prend une tournure que j'aime bien là le jeu depuis qu'on a retrouvé Elise. J'aime beaucoup. Avant c'était un peu... C'est souvent comme ça dans les assassins, au début c'est un peu... voilà, tu fais des trucs mais... T'enquêtes, c'est vrai, mais enfin, tu vas à un endroit, tu tues un gars, tu vas à un autre endroit, tu rencontres plein de gens, je sais pas trop. Puis au bout d'un moment, au bout de la moitié du jeu à peu près, tu commences à t'attacher aux gens. Et
les missions entre elles ont un réel sens, plus qu'au départ, je trouve. Et là, ça devient tout de suite très intéressant. Je vais juste acheter des médicaments chez toi, s'il te plaît. Consommable. Remède. Tout ravitaillé. Je vais en avoir besoin. Il me faudrait des balles aussi, tant qu'à faire. Ah, ou des crochets, tiens. Des crochets, vu que maintenant j'ai des... je peux avoir des crochets. L'âme fantôme, on va oublier. Munitions. Voilà, tout ravitaillé. Parfait. Au moins, je suis prêt. Alors, c'est ici, 40 mètres. Par où je rentre? Je me suis dit que tu aurais besoin d'aide. Ah, c'est toi. Ok. Je me disais, c'est qui elle? C'est elle. Ok, donc il est là. Bonsoir. Je me demandais si... Pas deux fois. Ah, bravo. Attends. Bon sang, reviens ici. Waouh, carrément. Attends. Faut le plaquer au sol, très bien. Ah, ça me rappelle la zone, d'ailleurs ça a l'air d'être la même. Non, pas exactement. Vous rappelez la zone comme ça en souterrain où on devait tuer les gars? Laissez-moi tranquille. Ça me rappelle un peu ça. Alors, faut le rattraper. Vite. Élévateur utilisé, passage par-dessus, par-dessous des objets. Je veux seulement te poser des questions. Oh là 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 là. Rapprochez-vous de la cible. Je fais que ça, mon gars, mais. Il s'en va loin, hein. Sors de là. Ah. Il est pas évident. Par où je dois passer là? Tu es sérieux? Je vais me prendre les gardes sur la gueule. Vite, vite, on est en train de le rattraper. Oh oui. Oh, je t'ai eu. Genre, ça fait demi-tour d'un coup. Je sais pas pourquoi. Grosse erreur. En plus, on était suivi par des mecs. Normalement, ça devrait pas nous gêner du coup. Hey, pas ici. Oh, pitié. Oh, je n'ai rien dit à personne. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Mais de quoi parles-tu? Vous travaillez pour l'autre, n'est-ce pas? L'homme à la capuche. Parle-moi de cet homme. Qui est-ce? Je l'ignore. Je n'ai jamais vu son visage. Oh, il a menacé de me tuer si je ne lui donnais pas le poison. Je n'ai pas posé de questions. Je n'en garde qu'une petite quantité. Il l'a emporté sur le champ après m'avoir dit où déposer la seconde dose. La seconde dose? Tenez. C'est tout ce que je sais, je le jure. Fiche le camp. Vois ça comme une belle histoire qui fera peur à tes petits-enfants. Alors? Tu avais raison. Il a remis le poison à notre mystérieux tueur. Et il a dit que le tueur portait une capuche, comme la mienne. Je vois. Toutes les bonnes histoires ont leur part d'ombre. Si nous avons été trahis par l'un des nôtres... Ça expliquerait pourquoi le tueur cherche à m'accuser. Tiens, c'est là que l'apothicaire a livré sa marchandise. Qu'est-ce qu'on attend? Wow. Je suis pris d'un... doute d'un coup. Mais si c'est... Je pense que je vais chercher un peu loin. Mais... Et si... Je le dis ou pas? Allez, je le dis. Et si il y avait un traître et que ce traître n'était nul autre que Belek? Pourquoi je dis ça? Parce que... Elle est où cette foutue mission là? Je la vois pas. Elle est là, d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que... Belek est un assassin, donc il porterait une capuche. Belek était totalement contre l'arrivée d'Elise. Et plein d'éléments porteraient à croire que ce serait Elise, la meurtrière. Donc, je sais pas, je pars peut-être très très loin, mais c'est déjà arrivé dans les assassins qu'il y a des traîtres ou qu'il y a des retournements de situation. Je pense aux trois où au début on sait même pas qu'on est un templier, on croit qu'on est les gentils, puis d'un coup j'arrive à 3 heures de jeu, on te sort, bah non, en fait t'es un... En fait, t'es un templier, enfin... Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça pourrait être un traître? Je sais pas. Ce serait d'autant plus
crédible, je trouve, que c'est lui qui nous a un peu appris à nous battre, qui nous a formés, qui nous a amenés aux assassins, tout ça. Enfin, ça ferait un beau retournement de situation. Je sais pas, peut-être que je m'emballe complètement et que je suis hors sujet et que c'est juste quelqu'un qu'on connaît pas, mais... On verra. Ne me spoilez pas dans les coms, hein, mais voilà, c'est une supposition que je fais pour l'instant. On verra bien. Alors, go ici. En plus, on vient à Notre-Dame, c'est bizarre. D'habitude, on vient pas ici. On enchaîne l'émission hein, depuis quelques épisodes, mais en même temps, là, c'est bien prenant et tout, donc j'ai envie d'en savoir plus. Alors, confrontation. Le meurtrier de Mirabeau a laissé une piste. Remontez-la et faites justice. Ah, c'est parti. Niveau 4, là, la mission. Ça commence à bien monter. Quel endroit charmant. Qu'espères-tu y trouver ? L'apothicaire dit que c'est ici qu'il a livré le poison. Il ne nous reste plus qu'à trouver une piste et à la remonter jusqu'à sa source. Trouver une piste ? Tu te prends pour un chien de chasse ? Quelque chose comme ça. Ok, appuyez sur train pour activer la vision d'aigle et localiser des indices. Waouh ! Il y en a plein. Ça part par là-bas. J'en vois pas plus. Ok. On va saboter ça en passant. Mais Elise reste là-bas, donc je sais pas. C'est bien par là qu'il faut que j'aille ? Waouh. Je peux pas avancer plus, pourquoi ? Cinématique. Ok, il avançait plus d'un coup. La piste s'arrête ici. En es-tu sûr ? Certain. Non. Attends-moi ici. Ne sois pas ridicule, je ne vais pas te laisser y aller seule. Elise. Il faut que je le fasse seule. Je t'en prie. Je comprends. Tu ferais mieux de revenir vivant. Eh oui, tu ferais mieux, sinon vous auriez pas des petits-enfants. Hein. Ok, rien à voir, c'est pas grave. Donc, encore une fois... Ah non, je pensais que ça se passait à Notre-Dame, mais c'est pas Notre-Dame, ça a rien à voir. Mais c'est l'endroit où on était souvent et tout, là où on est devenu assassin. Ah oui, je reconnais, ouais. Ah mais c'est d'autant plus... flippant. Enfin, flippant, si on veut. Ça me met encore plus sur la piste de Bellec, moi, cette affaire. Vas-y, grimpe. Ah, tu peux pas passer par là, faut passer plus haut. Je sens que ça va être épique. Je le sens bien. Hop. Vas-y, grimpe plus haut. Voilà, voilà. Trouver. Il y a quelqu'un. Ok. Alors, est-ce que c'est celui auquel je pense ? Niveau dégaine. C'est lui. C'est Bellec. Oh, genre. Il t'en a fallu du temps, merdeux. Bellec ? J'aurais dû savoir que ce serait toi qui me trouverais. La vraie question, c'est ce que tu vas faire maintenant. C'est toi qui as empoisonné Mirabeau. C'était lui, le poison. Sa paix avec les Templiers n'est qu'un rêve. Et tu es le seul homme capable de pouvoir sauver la confrérie ? Tu crois que c'est la première fois que ça se produit ? Que c'est la première fois que les assassins ont dû éliminer leurs dirigeants ? Tu penses vraiment que c'est la première fois que la confrérie a dû renaître de ses cendres ? Non. Massiaf, Monterrey Johnny, les colonies d'Amérique. Ça s'est déjà produit. Et nous nous sommes relevés plus forts que jamais. Et cette fois, on s'est égaré, Arnaud. On s'est enlisé dans la politique et les révolutions. Nous ne sommes pas une nation, mais une armée. Et dans une armée, pactiser avec l'ennemi revient à trahir. Mais non, je ne suis pas le seul à pouvoir sauver la confrérie.
on le peut. Tous les deux. Belek, tu sais que c'est impossible. C'est bien dommage. Bien, c'est parti, allez. Belek, je t'en prie. On est parti affronter Belek. Et nous réglerons ça en deux temps de retour. On devrait pouvoir le défoncer sans trop de soucis. Affronter Belek. Qu'est-ce que je fais maintenant? Pauvre merde de sans cervelle. Oui, c'est ce qu'on dit. Waouh. Du coup, mais... Ça, c'est un sacré bon combat, ça. Et du coup, mes suppositions étaient les bonnes. Ah, bon, on n'aura pas tardé à le savoir, mais... Aïe. Est-ce qu'on va le tuer? C'est ça la grande question. Je pense pas. Il n'y a pas dit tuer Belek, il y a écrit affronter Belek. Wow, il fait mal là. J'ai du mal à le contrer. C'est bon. Allez. Tu étais si prometteur. Je te croyais capable de penser par toi-même. Je le fais, Belek. Allez. Wow. Ouvre les yeux, petit. J'ai vu des Templiers massacrer des villages entiers dans le seul but de tuer un misérable assassin. Dis-moi, dans ta vaste expérience, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu le grand maître de l'ordre des Templiers recueillir un jeune orphelin et l'élever comme son propre fils. Oui, bon, pactise pas non plus trop avec les Templiers, hein, mais... Aïe. Après, c'est vrai que de la serre, c'est pas un Templier comme les autres, c'est vrai, mais bon. Waouh. Wow. Je crois que t'es le seul à pouvoir faire ça. Voilà. Il se passe quoi, là, on est bloqué. Allez. Tu vas mourir. Wow. Ça, c'est du combat. Je n'ai rien. Reste tué. Où il est? J'aurais dû te laisser croupir à la Bastille. Dis-moi, as-tu jamais cru au credo? Ou as-tu toujours été un traître à la solde des Templiers? Rien ne nous oblige à nous battre, Belek. Tu ne me laisses pas le choix. Si seulement tu pouvais comprendre, la confrérie retrouverait une puissance qu'elle n'a pas connue depuis deux siècles. Oh oui, tuer tous ceux qui ne sont pas de ton avis. Et le meilleur moyen de renaître de ses cendres. Je peux courir, ok. Faut que je le trouve du coup. Je sais pas où il est. Attention. Alors, maintenant au moins c'est clair. Ce n'est pas Mirabeau qui t'a corrompu l'esprit, c'est elle. Cette putain est le dernier résidu de cette folie. Belek, tu me remercieras un jour. Yeah. Ah, ça prendra. Tu touches pas Elise. Oula, oula, doucement. Voilà, je crois que c'est le moment. Laissez ta chance, merde. Tuer Belek. Ok, carrément, ça y est, cette fois c'est sûr. Faut le tuer. Bah écoute. Wow. T'es sérieux? Où es-tu? Oula, 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 j'aime pas ça. Allez, c'est fini là. Ouh, date épisode. Vas-y. S'il te reste une once de conviction, si tu n'es pas qu'une peau de ruche en amouré. Et si on peut pas le laisser en vie? Je ne m'arrêterai jamais.
Ouais, bon, essaye. Au revoir. Merci, mon ami. Faut bien que tu retournes auprès de ton petit en un seul morceau, hein, merde. Ça fait tomber ça. Eh bien. Que tu sois maudit. Tu comptes vraiment aller jusqu'au bout? Ton protégé se porte garant d'elle. Ne lui fais-tu pas confiance? Je mourrai pour lui, c'est la fille qui ne me plaît pas. Je ne peux rien dire pour te convaincre. J'ai bien peur que non. C'est ce que je craignais. À ta santé. À la tienne. Repose en paix. Pas mal intéressant celle-là. Repose en paix. Ok. Bon, écoutez, ça c'était une sacrée mission. Pour le coup, je vais l'évaluer à 5. Parce qu'elle était vraiment classe. Et du coup, oula. Ok, pas ça. Bon sang de bonsoir. Désolé de cette interruption, mais encore des ennuis. Bishop, tu es là? Je suis là. Tu sais ce qu'il faut faire. J'ouvre déjà une passerelle. Tu sais, Deacon, je crois qu'Abstergo n'a toujours pas digéré ce que tu leur as fait le mois dernier. Tu le penses vraiment? Ok, la passerelle est ouverte. Vas-y. Il est difficile de fouiner dans les données qui pensent que l'Abstergo sans les désordres, non? En fait, on n'a pas fait que fouiner. On a volé leurs données, détruit leurs échantillons de précurseurs et fait fondre quelques serveurs. C'est pas mal. Non, mais non. Arrêtez avec ça, c'est nul, c'est pas ces séquences. J'aime tellement pas ces moments. Bon bref, à part ça, qui est le traître au final? Belek ou nous? Parce que Belek il agissait en fonction de la confrérie. Et nous on a agi plus ou moins dans nos intérêts personnels. Alors c'est un traître dans le sens où il a tué le chef. Mais... parce qu'il avait peur des Templiers. Je sais pas, c'est très, très philosophique comme, comme question là. Je pense qu'on est un peu tous les deux des traîtres en fait dans l'histoire. Tous les deux avons agi dans un intérêt un peu... à la fois personnel et pour le groupe, enfin c'est on se retrouve de l'autre côté. Très spécial. Donc, allez-y, vas-y, saute là-dedans. Voilà. Fais ton truc, c'est super, j'aime pas du tout ces moments, je préférerais qu'on revienne dans le présent, mais je crois que je désespère d'y retourner, là c'est fini. Vu là où on en est dans le jeu, je pense pas qu'on reviendra dans le présent, hein, malheureusement. C'est un des gros trucs que je trouve dommage, mais bon. Le jeu a voulu ainsi, que voulez-vous? Bah, en même temps, à force, ils sauraient plus trop quoi inventer dans le présent. Maintenant, s'ils veulent faire des assassins tous les ans, il faut que... voilà, chaque année, allez, hop, cette année, c'est à Paris, et puis voilà, quoi. Puis l'année d'après sera ailleurs, et l'année d'après sera encore ailleurs, enfin bon. Je pense que vous m'avez compris. Bon, chacun sa vision des choses, mais... je trouve ça dommage, enfin bon. Ça en reste pas moins un bon épisode. J'ai trouvé, en tout cas, un épisode très... très chaud, on va dire. C'était vraiment peut-être mon préféré depuis le début. Clairement, il s'est passé des choses vraiment bien en termes d'histoire. J'ai vraiment kiffé. J'espère que ça vous aura plu à vous aussi. On s'arrête ici parce que voilà, c'est le bon moment. Je pense qu'on a fini la longue mission. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime avant de quitter la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Un commentaire, bien évidemment, sera le bienvenu et le apprécié. Et puis, bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire merci beaucoup. Et rendez-vous donc après le week-end pour la suite de notre aventure sur Assassin's Creed Unity. Allez, salut tout le monde.